quelques années, j'ai essayé de me faire suisse, mais bon, j'étais déjà parti en Espagne, donc il y avait beaucoup plus de problèmes. Et passeport, j'ai que l'espagnol, mais c'est vrai que moi, je me sens les deux nationalités. Moi, je suis né en Suisse, j'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici, j'ai mes amis ici, donc pour moi, c'est un 50-50. Vous auriez eu envie de jouer pour l'équipe nationale suisse, par exemple? Ouais, pareil que si j'avais pu jouer avec l'équipe d'Espagne ou Suisse, bon, c'est clair, je pense qu'en ce moment c'est plus facile d'aller avec la sélection suisse, mais c'est clair, j'aurais été tout aussi fier d'être avec l'une qu'avec l'autre. Alors, on a vu des joueurs originaires de la Suisse qui sont partis en Espagne, qui sont revenus. Le dernier en date, notamment, c'est Fabio Coltorti, gardien du Racing Santander, que vous connaissez puisque vous avez joué là-bas. Vous revenir en Suisse, c'est quelque chose qui vous traverse parfois l'esprit ou votre vie elle est espagnole, pourquoi pas italienne aussi puisque vous êtes sous contrat avec Udinese. Ouais. Bah, niveau parlant football, c'est clair qu'en ce moment je pense pas revenir en Suisse. Je suis à l'aise en Espagne. Je pense que je peux encore vivre quelques années là-bas avant de pouvoir revenir, mais c'est clair que dans un futur, pourquoi pas. Et la Suisse, moi je trouve qu'elle a un bon championnat, je serai près de la maison, donc dans quelques années on peut pas dire non, mais en tout cas pas pour le moment. Est-ce qu'il y a déjà des clubs suisses qui vous ont contacté? C'est arrivé? Oui, c'est arrivé il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais plus exactement, je crois que c'était il y a 2 étés, j'avais eu des contacts avec le FC Sion, mais bon, pour finir, c'était juste quelques contacts, on s'est vus et c'est tout. J'étais en vacances, après je suis retourné en Espagne et puis j'ai continué ma vie là-bas. Il y a un club qui vous intéresserait plus qu'un autre en Suisse? Non, il y a des clubs, bah, j'ai toujours suivi le Lausanne, le Sion, pour être après assez près de Genève, donc c'est un peu les clubs qu'on a suivis. Servette, c'est clair que ce serait, si je pouvais choisir, j'adorerais une fois pouvoir revenir à Servette, Xamax, j'ai fait 2 ans aussi, donc bah, un peu tous ces clubs-là, ouais, ce serait pas mal, ce serait joli.